Android 7, donc je vais vous faire voir au niveau de la caméra appareil photo. Donc apparemment depuis Android 7, enfin j'ai jamais vu ça sur Android 6, donc apparemment il y a la corbeille, c'est-à-dire qu'ils ont mis une option quand vous supprimez votre photo ou votre vidéo, ça va dans la corbeille, mais ça reste quand même dans le smartphone. Donc il faut penser de temps en temps à vider la corbeille. Donc là, je vous fais une démo. Hop, j'ouvre appareil photo. Voilà, hop, là je suis sur photo. Hop, je vais prendre donc une photo. Hop, ça y est, c'est fait. Je vais sur la photo. Donc on voit qu'elle est ici. Et là, maintenant, je décide de la supprimer. Donc je clique en bas à droite. Donc je vous fais voir sur mon modèle à moi, hein. Alors je ne sais pas si c'est exactement pareil pour vous. Je clique sur la corbeille. Supprimer. Ok, voilà. Maintenant c'est bon. Ok. Voilà. Je reviens à zéro. Je vais dans le menu démarrer. Maintenant je vais sur Google Photos. Voilà. Bon là, bref, c'est pas grave. Pas maintenant. Donc là, vous voyez. Hop, maintenant je clique en haut. Comme vous avez vu, je clique en haut à gauche sur les petits traits. Et là, je fais corbeille. Et là, on voit la photo qui est dans la corbeille. Voilà, donc vous avez vu, je l'ai quand même supprimée, mais apparemment, elle va dans la corbeille. Bon, alors pourquoi pas? C'est une option qui peut être intéressante comme, pas spécialement intéressante, parce que moi, personnellement, quand je dis supprimer, j'aime bien que ça se supprime. Voilà. Donc, en plus du fait d'avoir mis cette option, ça va remplir la mémoire du téléphone éventuellement et la carte mémoire. Donc, après, c'est à vous de temps en temps de venir vider la corbeille. Donc, après, vous cliquez sur les petits points en haut à droite et vous faites vider la corbeille. Voilà. De façon à ce que ça vide. Voilà, corbeille vidée. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment faire pour ne pas passer, enfin, ne pas que ça aille dans la corbeille. Je crois qu'on ne peut pas, mais je ne suis pas sûr. Parce que si je vais dans les paramètres, donc là, paramètres, vous voyez, il n'y a rien. À propos, ok, mais il n'y a rien. Conditions, machin, hop, si je fais ça. Alors, à propos, confidentialité, bref, voilà, vous avez vu, hein? Donc, je vous ai montré, et n'oubliez pas, donc, quand vous allez après sur Google Photos, enfin, comme je vous dis, je vous montre par rapport à mon smartphone à moi. Toi, tu m'embêtes, vous cliquez sur les petits traits corbeille. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pardon, de temps en temps d'aller vider la corbeille.